poney le plus petit? Alors, le poney le plus petit, eh ben c'est Mignon. Il est tout tout petit. Du coup, bah, il peut pas être monté pour l'instant. Alors. Alors, quel est le plus gros? Tiens, ça commence bien. Eh ben, c'est Diablo, le plus gros. Mais il aussi très fort. Question suivante. Alors. Alors, quel est le plus chouchou du ranch? Eh bien, c'est Mademoiselle Rainbow. C'est cette madame qui est la plus chouchou. Alors. Quel est ton premier chevet? Alors, mon premier, c'est Diamond. Donc, il a bien été entretenu malgré les petits traits blonds. Voilà. Franchement, c'était lui. Donc, voilà, pour ceux qui ne le savaient pas. Mais bon, hein, je suis nouvelle sur YouTube, donc c'est un peu normal. Aïe! Ah, prochaine question. Alors. Quel est le cheval qui a la plus belle posture? Pour moi, c'est ce monsieur, Monsieur Royal. Voilà. Donc, je lui donne le prix de la plus belle posture. Question suivante. Qu'est-ce que c'est? Quel est le cheval le meilleur en saut? Eh ben, je vais vous montrer ça. Et c'est encore une fois Mademoiselle Wenbo qui est championne de saut d'obstacle. Et vous aurez quand même des vidéos d'elle quand elle va en concours. Hein. Vous inquiétez pas, il y en a bientôt. Hein. Donc vous pourrez le voir. Et il y aura Wenbo et sa cavalière. Prochaine question. Qu'est-ce que c'est? Quel est ton monstre préféré? C'est Monsieur le Gardien des Neiges. Donc voilà. Il peut bouger ses ailes, mais moi je les mets toujours, enfin souvent comme ça. Prochaine question. Alors, qui est le plus moche? Alors, pour moi, le plus moche de tous, hein, c'est. Je suis vraiment désolée, mais. Désolée, Lave, mais c'est Lave. Donc, du coup, en fait, vous le verrez apparaître très rarement. Parce qu'en fait, ben, c'est rouge un peu la peinture. Elle est rouge, elle est toute étalée. Il tient même pas debout parce que son pied, il est tout tordu. Donc, moi. Pour moi, c'est. Désolée, là. Prochaine question. Donc. Attendez. Ah! Qui est le plus difficile à mettre en scène? C'est Mademoiselle Arc-en-Ciel, car c'est une licorne. Elle a des ailes, on ne peut pas la faire monter. Donc pour moi c'est elle. Voilà. Prochaine question. Alors. Qu'est-ce que c'est?
Qui sont les poneys les plus conseillés pour les débutants? Pardon. Nous avons déjà Mademoiselle Oasis. Bon, là, elle faisait de la calèche, mais elle est conseillée. Avec elle, nous avons Fleur, la petite grise, là. Et Lune. Voilà. Prochaine question. Y a-t-il un cheval indispensable? Oui. C'est Monsieur Aramis. Voilà. C'est lui qui est indispensable car il est très gentil. Et s'il manque un poney pour les enfants, bah c'est lui qu'on donnera pour les enfants. Donc voilà, il est indispensable. Voilà. L'avant-dernière question. Qui est le plus peureux? Eh bien, c'est Mademoiselle Orage. Voilà, c'est elle la plus peureuse. Dernière question. Alors. Qui aimerais-tu avoir en vrai? Eh bien, c'est Royal. C'est Royal. J'aimerais bien avoir en vrai. Et c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ce tag vous aura plu. En tout cas, moi, j'ai bien aimé. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo.